Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 en compagnie de cette espèce de... enfin, Yanamu, quoi. Bonjour. Ah ben, ça y est, t'as lancé ton épisode? Oui. Ah, c'est cool, on va pouvoir enfin s'y mettre. Donc, salut les abonnés de Learn to Play, c'est Yanamu, bienvenue sur ce nouvel épisode de Civilization 5. Oh yeah! Oh yeah! J'ai oublié de le préciser, mais lui, ça va super bien. Et on est parti. Ah oui, c'est vrai. Non, ça va pas super bien. Il me reste encore une épreuve demain. Je te signale qu'on enregistre le dimanche soir, nous sommes le, je ne sais, le 22 mai. Le 22 juin. Donc, 22 juin. Learn to Play, tu es prêt de sortir ta machine à voyager dans le temps. Je suis un dissident. Reste avec nous. Reste avec nous, s'il te plaît. Je ne révise pas l'allemand, je fuck l'allemand. Il fuck l'allemand. Je dis merde et j'ai envie de jouer à Civilization 5. Et déjà, je reprends les vidéos parce que ça faisait... Oh, tu t'arrêtes de faire des vidéos pendant 2 semaines. Il a de Angela Merkel, en vérité. Il aimerait la fucker toute la journée. Mais il faut pas le dire. Ça, c'était un... Non, c'était sale, ça. Ouais, je sais, mais... C'était pas approprié, sale. En soi. Si, non, tout à fait. Dépose approprié. Bon, bref, moi, il va falloir que je pense à sérieusement envahir les Japonais, parce que voilà. C'est une foirée, ils me font super chier. On refait le point sur la situation. J'avais écrit Tilbourg à l'est, vous voyez, sur la côte. Résultat, j'ai une totale maîtrise de cette zone, de cette enclave. Non, c'est pas une enclave, vu que c'est ouvert, mais de cette baie, on va dire. Et Pascal a ramené des soldats de la Première Guerre mondiale proche de très très proche de mes frontières d'ailleurs, de mon marchand illustre d'ailleurs. Je vois bon, ça. J'ai déjà commencé à me préparer pour la prochaine guerre, la dernière guerre qui ensevelira le monde de ténèbres. Voilà. Et donc je vais ramener des marines sur le champ pour aller lui botter le cul. Juste, tu as une unité de mitraillette Gatling en bas de chez moi là, Uxmal. Tu pourrais la pousser un peu plus vers la droite, s'il te plaît? Ah, tout à fait, oui. Tu veux que je la place sur les cervidés? Non, sur la entre Cork et Uxmal, comme j'ai fait pour ma cavalerie. Mais juste, tu veux à droite ou à gauche? Enfin, je veux dire, non, en haut ou en bas? Vers Cork, là où c'est que ma frontière s'arrête. Alors, dans les bois ou juste au-dessus? Dans les bois. Ok, dans les bois. Voilà. Voilà, merci. Alors, ma caravane... Qu'est-ce qu'elle veut, ma caravane? Ok, bon, donc... Bah, les amis, moi, je dis qu'il faut passer le tour. Il passe le tour. Ok, bon, niveau aménagement, résultat, je vais devoir... J'ai bugué un petit peu, je vais devoir aller développer aux alentours de Tilbourg, peut-être faire carrément une ville au milieu, là, juste sur ce petit, cette petite parcelle de terre, du coup. Ce serait pas mal, vous voyez, j'ai déjà... Commencer à paf à ramener tous les ouvriers. Je vous le dis, chez oula. Et la petite remontée qui fait du mal. Oui, parce que l'entouplé nous est. Enfin, c'est le. Je sais même plus ce que je voulais dire. C'est pas la résistance, c'est le développement. Non, bref, j'ai oublié la phrase avec l'expression. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de toute façon. Ah oui, donc ce que j'avais oublié, c'est que Ouais, c'est que je suis à 166 d'or généré par tour. 5 de bonheur, 6 routes commerciales. Résultat, mes villes croissent à une vitesse absolument. Comme vous pouvez le constater, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 villes qui vont augmenter en termes de population. Hein, je vais gagner un citoyen en un tour. Ce qui fait que je vais repasser direct dans le malheur, normalement. Mais résultat, je suis repassé. Si je ne dis pas de... Voilà, je suis repassé niveau 1 en classement de démographie. Donc avec 38 000 en 480 000 habitants. Donc les pires sont toujours... Enfin, la population la moins bien classée reste la Russie avec 13 millions de personnes. Bon, j'ai quand même des constructions à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire. Hein. sauf que non, on va pas forcément construire. On se prépare pour la guerre, on a dit. Hein. Donc, on veut envahir qui, les Japs? Ouais, les Japs. Hein, les Niaks. Les Japs. Faut les faire payer, les Niaks. Faut les faire payer. On est d'accord. Donc, un hôtel ou un laboratoire de recherche. Putain, 556 de science, c'est énorme. Ah oui, c'est cher. Hein, voilà, je vais quand même, je vais faire quand même laboratoire de recherche. Université, ça peut être pas mal aussi. Oh, j'ai trop de trucs ça à faire. Ça peut être pas mal, université également, ouais. Oh, je vais en faire. Ça prend que 3 tours en plus, c'est du cadeau. C'est vraiment du cadeau. Hein. Bah
Donc là, vous voyez, moi, les gens, pendant qu'il est en train de blablater, faire son truc, oui, de mon côté, je redispatche tous mes citoyens, histoire d'essayer de gagner un petit peu plus d'or, d'optimiser la croissance de mes villes, chose qui est très importante. Oui, je confirme. Ah, mais j'ai une Gatling aussi. Bah, au résultat, le pécor d'infanterie de Première Guerre mondiale, je vais l'éclater. Ici, j'ai quand même mes troupes qui sont concentrées autour des frontières japonaises, hein, qui s'étendent de plus en plus. Paf, je vais me rapprocher. Faut quand même qu'elles se soignent. Bon, résultat, Maastricht est complètement défendu, parce que je vous rappelle que j'ai 7 de pétrole à Maastricht, plus 2 bombardiers. Bon, des bombardiers à la Première Guerre mondiale en 2015. Oui, je sais. C'est pas grave. Maastricht. C'est l'intention qui compte. C'est là Maastricht, ouais, il a 7 pétrole, ouais. Ici, j'ai plus rien à développer, alors il me semble. Ouais, j'ai plus rien, c'est ça. Purée, c'est abusé, hein. Bon, tu passes le tour, Marcel. Écoute, je pense que oui, je peux passer le tour. J'ai un stade bientôt prêt, j'ai encore une unité d'infanterie, une artillerie, bref. Ah, attends, j'ai pas fait attention. Ouais, une connexion, je m'en fous. Organisateur, c'est qui déjà? Ah oui, c'est le Portugal, oui, ce sont mes amis. Ça, c'est bien. Et donc, tour suivant. Allez, on est parti. On est parti, enfin. Je reprends les vidéos, ça fait plaisir. Il était temps qu'on y parte, hein, parce qu'alors, on peut voir qu'ici, il y a une frégate arabe dissidente. Où ça? En dessous d'Edimbourg. En dessous d'Edimbourg. Ah ouais, putain, il y a déjà des porte-avions. Ah ouais, non, mais ils sont armés à mort, hein, les mecs, hein, y a pas à dire. Le type a encore des frégates, enfin, tu sais, je crois que c'est des frégates, ouais, les bateaux à voile encore. Oui, oui. Les grands navires à voile. Ben, le type a ça et un porte-avions. Le mec se bat encore au canon avec un porte-avions nucléaire. Bah, chacun son truc, hein. Bah, je veux dire, c'est une bonne stratégie, hein. Ah, mais c'est un archéologue. Ah oui, non, d'accord, il y a un archéologue aussi. Effectivement. Ah, les barbares. Oui, putain, les barbares ont des marines. Ils rigolent pas, eux, hein. Ils sortent. Ah non, ils plaisantent pas là. Là, ils plaisantent pas là. Ah oui, non. Donc, carrément. Oui, les gens, le premier tour, il est toujours super long. Voilà, c'est. Ouais, faut le temps de remettre en place toute la machine, là, toute la matrice. Exactement. Ça met du temps à calculer. Ça met beaucoup de temps. C'est vrai que c'est quand même assez long. C'est, je crois pas. C'est très long, oui, oui. C'est assez long, ouais. Et en fait, c'est hyper long. C'est complètement long. Voilà, fait, c'est complètement long, c'est complètement... Non, c'est bon. Allez, hop, ça revient. Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tout le monde joue le... j'allais dire le Portugal, je ne sais absolument pas pourquoi. Non, c'est bon. Ok, nous sommes en 2016, votre ville devient religieuse. Ah. Oui, parce que Lantouplé a un temps d'avance sur moi toujours, hein, les gens. Wouah, j'ai gagné. J'ai gagné combien ça? Je m'en contrefous. Tu vas rester là. Ah attends, si. Ah, c'est pas encore totalement passé le tour. Est un peu bugué, état d'alerte, enfoiré! Je spam le bouton état d'alerte. Pas qu'à les gars, ils ont fait la paix donc avec les. Ouais, je viens de remarquer ça, donc ça on s'en fout, Tilbur, de. Adopte le. Je sais pas quoi, l'espèce de. Je sais plus comment ça. Bref, on s'en fout! Voilà, machin, Pacal, oui, bidule, une artillerie avec de l'XP, c'est parfait. Alors, normalement, j'ai gagné beaucoup de citoyens, il me semble, 1, 2, ouais, 3, ouais, il me semble, 3, peut-être même 4, je suis pas sûr. En tout cas, au moins 3 citoyens, c'est certain. D'ailleurs, je vais voir combien j'ai gagné. Et j'ai gagné 1 million de personnes, quasiment, t'imagines? C'est fou, hein. Ça monte très vite. Alors, barrage, ouais, accidenté. Contre les unités retranchées en ville. Ça peut être vraiment sympa. Je vais prendre salve. Voilà. Donc, j'ai déjà une artillerie vraiment très lourde. Enfin, très 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 lourde, qu'est-ce que je raconte? Très améliorée. Oui, très quelques puissante. Tonnes. Hein. Donc, je me prépare à aller, donc, aller vers les Japonais, bien sûr. Hein. Je masse tout chez eux. Hein. Pas de quartier, j'ai encore des Gatling. Ça fera de la chair à Ken. Bon, c'est un petit peu horrible. Mais faut le dire, hein. Faut le dire. Hop, on peut voir qu'il y a une brute barbare qui essaie de m'envahir, Ramsey. Bon, au final, le Pascal là s'est tiré, hein, il a eu peur. Ok, j'ai déjà une infanterie, c'est parfait. Bon, ça commence à bien se développer là. Triplant, c'est moisi. Bon, je vais faire que de l'infanterie, hein. Je max l'infanterie du coup. Pour l'instant. Ah, mais max ce que tu veux, hein. Voilà. Ouais, je vais maxer l'infanterie. Je suis toujours à 150 d'or par tour. Bon, ce qui est largement suffisant pour assumer les investissements
Et le coût de la préparation? À la guerre. À la guerre. Donc du coup j'ai 3 unités d'infanterie en préparation. J'ai des laboratoires de recherche en production aussi. Quelques fermes. Toujours utile, hein. Je produis 21 de culture, j'ai 568 de science, je ne sais pas si tu es au même niveau. Je suis que à 370 moi de science. Ah ouais. Et oui, du coup on n'a même pas parlé de la recherche, donc on est en train de faire électronique, dans 2 tours on aura terminé. On pourra se faire des porte-avions et des cuirassés, bon nous on n'est pas très... Moi je fais les voies ferrées. On n'est pas très armée de mer, enfin armée en bateau, ouais. Moi je suis en train de finir les voies ferrées. On ne développe pas du tout la marine. Non. Et alors, je crois. Attends, à la base, on voulait pas spécialement faire l'électronique. C'était pour, il me semble, accéder le plus vite possible à la bombe nucléaire. Si je c'est, dis ça, pas de c'est ça. C'est exactement. Mais moi, de mon côté, je fais les voies ferrées parce que créer un grand réseau de voies ferrées me permettra de défendre bien plus mais facilement on peut pas, mon territoire. Il faut voies ferrées. Ah oui. Toi, tu fais voies ferrées. Moi, je fais l'électronique tout seul. Exactement. Ok. Donc dans 2 tours, c'est ça ou dans moins? Dans 2 tours, tu as l'électronique. Dans 5 tours, j'ai les voies ferrées. Ok. Bah, si tu veux, après électronique, je pourrais venir t'aider pour finir plus vite, ou alors direct commencer. Bon, on verra. On verra pour l'instant. Ouais. Bon allez, de mon côté, j'ai passé le tour. Déjà. Putain, mon marchand élu, je sais pas. Oh, les Mayas, ils ont un porte-avions là. Ça fait mal, ça. Mais oui, je te l'ai dit. Purée. Bon, je vais quand même défendre un petit peu. Tilbourg va déjà gagner un citoyen, ça fait plaisir. Là, franchement, je suis en phase vraiment stable. J'aime ça, ça me plaît. Ça ouais, me moi, plaît. Je suis en phase croissance. Phase de croissance, oui. Ouais, bah, d'ailleurs, ma disserte d'éco, c'était sur la croissance. Le chapitre le plus simple, la croissance et le progrès technique, vois-tu. Le chapitre cadeau, mais cadeau. Vraiment cadeau. Quand tu voyais le sujet de sociaux en raisonnement qui portait sur la mobilité sociale, la famille peut-elle se révéler comme un... Enfin, peut-elle être un frein? Peut-elle être considérée comme un frein à la mobilité sociale? Voilà, je vais y arriver. Et donc, j'ai regardé ce sujet, j'ai fait non. Quand tu voyais le sujet de la disserte qui était tout simplement est-ce que les facteurs travail capital sont-ils les seuls. Enfin, je sais plus comment c'était tourné, je l'ai gardé en plus le sujet. Sont-ils les seuls moteurs de croissance? Enfin bref, un truc comme ça, voilà. En gros, c'était pour dire que non et que... oui, mais non, parce qu'il y avait le progrès technique, bidule. Enfin, voilà. Bref. C'est passé de toute façon. J'ai terminé, moi, du coup, alors. Ah bon, on attend que toi, hein. Ouais, je peux passer le tour. Oui. Éventuellement, je peux passer le tour. Ouais, je regarde. Éventuellement. J'ai pas envie de faire de conneries. Ouais, ok, c'est parti. Oui, alors par contre, toi tu es toujours dans la merde financière. Si on peut oui, dire ça t'inquiète ça. Pas pour moi. Je vais essayer de remonter ça. D'abord, j'essaie de de repasser en bonheur un petit peu parce que voilà. Ouais, hein. Ouais, ce serait déjà bien. Ah, bah moi, tiens, je suis à 0 de bonheur. Théodora, Catherine a achevé. Projet Manhattan. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a une bombe nucléaire sur l'icône? Parce que c'est peut-être... Projet Manhattan, tiens, ça me dit rien du tout. Après, je peux peut-être passer pour un lourd inculte, mais ça ne me dit rien du tout. Bon, en tout cas... Ah, t'as un barbare? Non! Un barbare de l'ère antique qui vient de te ruiner une ferme. Tu l'as déglingué, là? Oui. En un tour? Ok, bon. Oui. J'allais envoyer mes marines pour aller lui défoncer la gueule, mais bon. Pas eu besoin. Oui, moi j'ai toujours mon petit prophète ici qui explore. Tout à fait. Alors, cette caravane qui va continuer là. Oh non, qui va pas. Non. Qui a une route commerciale bien plus lucrative. Lisbonne plus 20 or par tour au lieu de 15. Oh là là là, la route commerciale du bonheur. Et je gagne de nouveau 160 par tour. Attention, je fais gaffe à Pascal. Donc là, je vais bouger mes ouvriers. On va aller développer Tilbourg. Ah bah tiens, je peux déjà... Ah ça c'est une excellente idée, vois-tu. Je vais déjà commencer à développer la route. Ici. Ici, voilà, c'est bien. Donc là, les fermes sont terminées. On développe les fermes, Maastricht. Ah, j'ai de la baleine, ça c'est pas mal la baleine. Ça fait de l'or. Ah, j'ai du pétrole aussi. Offshore. Il va falloir que j'exploite. J'ai du poisson ici. J'ai du poisson également ici. Du poisson aussi ici. Putain, j'ai beaucoup de ressources.
Par contre, on n'a pas encore les gisements d'uranium vu qu'on n'est pas, pas à l'ère. J'allais dire à l'ère optique, non, on n'est pas à l'ère atomique encore. Donc les gisements d'uranium moi, n'apparaissent déjà, pas. Déjà, j'ai pas encore. D'aluminium donc. Oui, ouais, voilà, j'ai pas du tout d'aluminium. Ah oui, moi non plus d'ailleurs. Ça, c'est une. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de parlementer un petit peu avec les Portugais. J'espère que vous allez bien. Venez-vous m'apporter des nouvelles ou me faire une offre? Peut-être les deux, écoute, vois-tu. Échanger. Alors, je vais voir ce que t'as. Teinture. Est-ce que tu pourrais. Ah, putain, la 12. À la 4 uranium. Marie première et de l'aluminium. Je vais lui demander de l'aluminium. Donc nous avons ici l'adoration des mages, au moins deux. Fait par Giotto di Bondone, un artiste illustre donc, qui vient de me créer un nouveau chef-d'œuvre, ce qui fait que je passe à 20 en tourisme. Et oui, on est comme ça. Putain, en fait, je me fais lourdement. Non, mais en fait, elle sert vraiment à rien, Marie première. Elle fait des échanges qui sont complètement pas équitables. Oui. Putain, mais pour deux d'aluminium, elle demande deux d'or par tour, 5 de fer, 5 de quevaux pendant 25 tours. Ah bah, tours, l'aluminium, c'est rare, donc forcément... ouais, voilà, bah en tout cas, je verrai après. Pour l'instant, j'en ai pas besoin Toi, tu peux faire des remparts à l'occasion, parce que ce serait bien de défendre un petit peu la Berry Swift. J'en ai pas besoin maintenant. Du coup, c'est terminé, hein, j'ai fini, là. Déjà. Moi, je suis en train de faire les dernières constructions, là, une petite caserne, histoire de... Histoire 2. Et tour suivant. Je pense que je vais passer dans le malheur au tour prochain. En tout cas, on aura découvert l'électronique. Ce sera une grande avancée hein, en 2017, chers amis. L'électronique. C'est beau quand même. Ouais. C'est beau. Ouais, tu sais, on est en 2007, on n'a toujours pas les voies ferrées. Hein, donc, moi, je dis ça. Je dis oui, rien. Oui, hein, mais... ça, c'est un détail. Regarde, on a les routes de terre. C'est bien mieux. Mm-hmm. Voyons. Les voies romaines. Les voies ferrées, c'est non, pour non, les. Non, c'est pas des routes de terre, ce sont des voies romaines. Hein. Bah, c'est encore mieux. C'est des routes pavées. Bah c'est encore mieux. Ouais. Oh putain. Ah mais je suis con, pourquoi je le bouge pas là. Onze de malheur. Woohoo. Ah je suis pas passé dans le malheur. Génial. Et j'ai bientôt 4000 d'or dans mes coffres. Et ma science augmente à tous les tours. Pétrole, Marie c'est première. C'est vraiment génial. Donc mon marchand illustre, tu vas me faire le plaisir de bouger ton énorme cul. Dans ce temps toi tu vas construire une... Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, je fournis plus de pétrole à Marie. Le japonais, Marie, il rapproche l'artillerie là, ça me plaît pas là. Ça me plaît pas du tout. Attends. Ah ouais, d'accord, carrément. Carrément. Edenbourg peut attaquer un ennemi. Ouais, toi tu vas aller là. Toi tu vas rester en mode état carrément d'alerte. Aussi. Parce que Pascal, je ne lui fais pas confiance. Et nous avons découvert l'électronique, on peut faire des porte-avions et des cuirassés. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Toi, du coup, correct. Je sais pas ce que tu vas foutre. Tu vas aller par là. Alors, voyons voir. Donc, on a dit, on a quoi alors? Ah, théorie atomique. Bon, on part direct sur ça, on se pose pas de questions. Ah, quoique, voie ferrée, ça dure un tour. On va découvrir une nouvelle ville là-bas qui s'appelle Tlacopan. Hein, voilà, qui est une belle ah oui ville, parce que oui toi tu fais tout le tour de l'anneau. Ouais moi je sais faire tout le tour avec mon missionnaire illustre ouais. D'accord. Bon bah est-ce qu'on part sur voie ferrée sur un tour? Non je pars direct sur théorie atomique. Bah moi c'est trois tours voie ferrée pour l'instant donc. Bah moi si je prends voie ferrée ça dure qu'un tour. Bon les amis il nous faut absolument trouver des échanges. Allez hop on part sur voie ferrée comme ça voilà ça ira plus vite. Alors il a rien. Hein, et puis comme ça on se met à deux sur théorie atomique. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, j'essaie de trouver moi des ressources. D'accord, tu me fais attendre. Non, mais je crois que c'est mal compris là. Attends, je suis à 11 de malheur. On est en paix avec Pascal là, j'y pense. Oh, Catherine, elle a 8 d'uranium. Attends, on est en paix avec Pascal, c'est bien ça? Ouais, pour l'instant, ouais. D'accord, mais en fait, moi je suis stupide. Bon, allez, c'est parti, vous remontez. Hein. Ils sont partis où les Marines? Mozek Mouta. Ils sont partis où ces cons de Marines? Rien du tout de ma part. Nobuga ou Dugada. Dis-moi, Patrick, comment on fait déjà pour faire des plateformes offshore? Avec quel je sais pas pour l'instant. Pour extraire le pétrole, j'ai complètement oublié comment on faisait, putain. Oulala, rien non, ne va garçon. Plus. Rien ne va plus. Du cuivre. Donc là, ils construisent les routes. Ah, en bref, l'arabe, il veut pas échanger avec moi. Pascal, il est enthousiaste. Personne veut changer. Il a rien à donner. Mais personne veut changer avec toi. Tu es mal aimé. Tu ne sers à rien. Il a rien à me donner.
Ah là là, non, Genghis j'avais Khan, gueule, bien sûr. il a rien du tout. Et la première, elle a des baleines. Oui. Ah, je pense qu'un Et on va aqueduc. même essayer de prendre des fourrures contre 5 de charbon, 5 chevaux, 5 fer. Franchement, je m'en sers pas. L'ambassade va te faire voir, proposer. Hop, voilà. Pff, on redescend à 3 de malheur. Ah bah Eh c'est ben, c'est déjà bien pas chaud. mal! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est Bon, pas moi mal. par contre, Voilà. au prochain tour, c'est sûr, parce que là j'ai trois villes qui vont prendre un citoyen. Donc au tour prochain, je suis dans le malheur, ça c'est certain. D'ailleurs, j'ai encore gagné de la population. Je suis à 40 millions. J'étais à 38 millions, si je me souviens bien. Au début de l'épisode, je suis déjà à 40 millions. Non, non, mais là, personne ne peut m'arrêter, là, c'est terminé. Je suis parti, je suis loin. Je creuse l'écart. Je creuse l'écart. Vois-tu? Bon, bah écoute, je pense que je peux passer le tour. Et je passe le tour. Ah, avec voix ferrée, on pourra faire le Neuschwanstein. Plus 3 d'or, plus 2 de culture, plus 1 de bonheur. Pas mal. Hop là, lui je le cerne Le parce que sinon il Kremlin. va m'embêter, mais grave. Nécessité d'idéologie, là. Enfin, ordre. La production augmente de 50% lorsque vous créez des unités blindées. Putain! Ah ouais, le Kremlin, c'est sympa. Quand tu Ouais, c'est joues correct. gros dictateur. Attends, oh là là. J'ai déjà la flemme de devoir faire le réseau ferré là. De devoir repasser sur toutes les routes. Bah, mes ouvriers vont servir à ça. Hein. Mais au moins, on pourra faire l'équivalent bah, de tout le roi... enfin, de tout l'Empire. Moi, c'est un empire, c'est pas un royaume, c'est un empire. Attends, s'il vous plaît. En un tour, quoi, si vous voulez, quasiment. Si le réseau est bien fait. C'est à peu près ça. Si je devrais peut-être faire un branchement par là, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Et donc on t'attend, Patrick. Je vais faire un petit tour chez toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il y a un barbare Les qui caravanes. traverse, qui se la pète là, qui traverse tout ton territoire. Il s'en fout en fait, il va juste brûler tes fermes. Ouais, faire pour l'instant. Ouais, je sais, bah, forcément, j'ai une révolution, je suis monté à 11 de malheur, Ah oui, mon merde. ami. Ah Eh oui. d'accord, ce sont des villageois C'est pour dissidents. ça que je perds un petit peu. Tu m'excuses, hein, mais Ouais, effectivement. il me faut du bonheur, il me faut absolument N'empêche, du j'aime beaucoup bonheur. ton territoire, il y a beaucoup d'eau, c'est j'aime beaucoup. Ouais, il est sympa. Des petits lacs, des petites... Beaucoup de lacs Ouais, même. bah, c'est que ça, hein. Avec une muraille de Chine, tu sais, au milieu. Bon. Ouais, c'est C'est pour le bois que ça, exotique. voilà, C'est exotique, quoi. Bon. voilà, tout simplement. Ah, t'as du crabe. C'est le swag. C'est le T'as swag. du crabe à Glasgow, Patrick. Faudrait peut-être Je l'exploiter sais, mais pour la dernière guerre enfiler. me l'a fait péter. Hein? Pardon? La dernière. Oula, la La dernière guerre. conversation, pardon, bug. Oui, qu'est-ce que tu me disais? La dernière guerre a fait sauter le crabe. J'ai eu Comment des ça? bateaux qui sont jusque-là pour Ah, m'envahir. pardon, d'accord. Ok, bah, je ne savais pas, je m'excuse, je n'étais pas au courant. D'accord. La dernière guerre. J'adore cette phrase. Bon, du coup, on va trouver la voie. On va découvrir. Bah voilà. Oh putain, mais le tour il passe vite. Ouais, chez moi aussi, ça 2019. va bien là, il passe bien Le là. gros lag d'après tour. Voilà, tout passe. Oh! J'ai gagné des citoyens et. Des, pardon, des citoyens et j'ai gagné du bonheur. Explique-moi le blème là. Il y a un problème là, c'est pas normal. Je suis à nouveau à 11 de malheur. Ah, C'est le couac. mais en fait, tu sers à rien! Garçon, je suis descendu à moi, plus que entre guillemets, moins 10 dehors, Le hein. pauvre INMU, il accumule tous les problèmes. Hein. Toutes les inégalités, c'est lui qui les a en fait. C'est ça. Peut rien faire, le pauvre. Hein. Il se fait couiller littéralement. Hein. Mais complètement, gars, complètement. Mais du coup, je peux faire direct des voies ferrées. Hein. Je vais pas me faire chier. Par contre, ça coûte très cher. Hein. Ouais, ça coûte cher. Mais c'est pas grave. Il faut passer le pas un jour. Alors, les caravanes. Putain, vous faites chier là. Pourquoi vous n'allez pas au même. Allez, Waouh, tu ils sont en guerre eux, continues hein. à Willa Nova de Gaia. Et comme ça, ce sera fait. Bon, bah, toi, du coup, tu t'es fait chier pour rien. Finis cette route. Et tu vas continuer avec des voies ferrées. Voilà. Toi, tu vas pouvoir gentiment finir ta ferme. Un Un marché. marchand illustre. J'ai cru que t'allais dire la même chose que moi. Un marché sera bientôt fini à Maastricht. Et à Pour Nijmegen, une je fois. peux construire quelque chose. Oups.
pouf pouf pouf. Ouh là là, qu'est-ce que je peux construire? Alors, qu'est-ce qui serait intéressant en premier lieu? Pourquoi pas un moulin à vent pour la guerre? Allez, on part sur un moulin à vent, même si c'est assez long. Bon, technologie, on part sur quoi? Bon, théorie atomique. Hein? Ah, bien sûr, la théorie. Alors. Ah, elle est super longue, la théorie atomique. Oh non, 6 tours, Cinq ça va. tours, cinq tours, cinq tours. 5 tours, c'est cool, moi je l'ai en 6. Ah, ben voilà, projet Manhattan permet à vos villes de construire des bombes atomiques et des missiles nucléaires. Ah, d'accord, en fait, c'est juste que. Bon, on va se faire défoncer. Si jamais on entre en guerre. Ça y est, tu viens de le comprendre qu'on va se faire défoncer ou bien? Oh, science générée par les académies, plus de. Oh, je vais être pété de science, mon gars. Pété, pété Ah, de science. j'essaie de refaire mon retard, mais là, franchement, c'est dur, hein. Alors, Théodora, et nous fournissons des Vous teintures. On avez va essayer de découvert retourner les voir voies ferrées. Théodora. Ouais, les voies ferrées, machin, bidule. J'ai découvert les Ah, voies ferrées, Théodora, super. voilà. Hop. Échanger. Théodora, c'est Byzance. Ouais, mais elle peut plus échanger. Oh, ils veulent plus échanger avec moi, les sacs! Ça t'apprendra, là. Bon, il me faut du bonheur, il me faut absolument du bonheur. Là maintenant, là, ça devient. Oh, attends, j'ai une route commerciale, là, je peux en faire 7 maintenant. Faut que je refasse une caravane. Bah tiens, Amsterdam va construire une caravane. Pour maximiser toujours plus mes revenus, et je te signale que ce tour sera le 300e, ça se fête. 300 tours? Ouais. Champagne! Champagne, on ne dirait pas, j'ai l'impression d'avoir joué 3 ans, tu sais, mais. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir fait. Enfin, une tour, mais en fait, non. Hein. Ah, bah voilà, je suis dans le malheur. Pascal, ah putain, Pascal a fait le projet Manhattan, Jean-Guy, on est dans la merde. Ok. Il faut vite qu'on termine ce putain de projet atomique et qu'on se sarme des bombes nucléaires. Tu me laisses faire le faire. Comment ça? J'ai un ingénieur illustre de près pour ça. Ah oui, d'accord, mais moi aussi j'ai un ingénieur illustre. Donc on va lui mettre au moins 2 bombes nucléaires dans la gueule. Hein. Il n'y a pas moyen. L'Organisation des Nations Unies s'est réunie et votre délégation attend vos ordres. Distribuez vos délégués en forêt, ouais, d'accord. Alors, session en cours. Donc les Arabes veulent promulguer idéologie mondiale ordre. Ouais. Ouais, ça serait. Et les Russes bannir ressources. Putain, mais eux ils ont rien compris à la vie. Qu'est-ce En qu'on fait vérité, alors? les Russes, ils sont en guerre contre les. Zut. Contre les Indonésiens. Il faut savoir que les Indonésiens ont des villes qui peuvent avoir. Ah merde. Des. Ah, Fonctionnement attends. qu'ils envahissent, en fait. Attends, tu peux répéter s'il te plaît la conversation, elle a un peu Bah, bugué. t'auras qu'à suivre ma vidéo, et puis c'est tout, Ah hein! non, allez stop pour moi, parce que là, il faut bien que je comprenne. En bref, donc, l'Indonésie débloquée Ouais. des compétences dans certaines de ces villes Ouais. pour avoir des ressources de luxe précises. D'accord. C'est bien Et en ça. bref, la noix de muscade, là, ce qu'ils veulent bloquer, D'accord. c'est une des compétences donc de Ok. l'Indonésie. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Idéologie mondiale, ordre. On est tous dans l'ordre, de toute façon, il me semble, non? Ouais, je crois. Attends, je regarde. Bah Neuf ouais. de malheur! Ordre, c'est Génial ça, de c'est ça. malheur! Ordre néerlandais. Réalisme socialiste, jeune pionnier. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh putain, j'ai oublié de fermer mon Facebook. On a combien de temps? Oh, bah ça tombe bien, c'est bientôt fini. Putain. Heureusement. Comment ça, c'est bientôt fini? On est déjà à 30 minutes, on va partir sur 45 minutes, tu penses? Oh, je pense, ouais. Ouais, Ça serait je pas veux pas trop mal, plus quoi. parce qu'il. Hein. J'ai On y va 9 de doucement. malheur! On y va doucement. Donc, on fait quoi alors? Tu penses que. J'ai bugué encore. Tu penses que le premier. Enfin, les Arabes seraient plus judicieux, non? De quoi, les Arabes? Enfin, le choix des Arabes serait plus judicieux. Oh, franchement, j'ai envie de rester totalement neutre là-dessus et de mettre mes voix nulle part. Bah, moi, idéologie mondiale, horde, pourquoi pas? Ça nous va bien, ouais. Ouais, allez, hop, Allez on va hop. mettre deux. Moi, je fous tout, hein, allez hop. Allez, moi je fous tout aussi, hop, Allez c'est hop, parti, engager les engagé, ok. délégués, on va pas se faire chier. Pour ça, donc les Mayas et le Japon signent un accord de recherche. Ah, ça c'est pas bon ça. Si, c'est pas mauvais non plus. Pascal et Gajah-Mada, projet Manhattan. Bon, les Indonésiens et les Mayas ont la bombe atomique. Enfin, Ça, c'est pas bon, peuvent ça. faire la bombe atomique. Parce que C'est projet ça qui est pas Manhattan. bon. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Bon, un zoo pour le. Oh, une forge. Bibliothèque. J'ai Je vais besoin. faire une école publique, toi, j'ai besoin d'une Je vais faire une caravane. forge. On me demande de faire une forge, je vais faire une forge. Alors, une caravane, s'il te plaît. Voilà, une caravane.
J'ai encore une unité de prête. Unité de prête, voilà, choc. Je mets toujours barrage et choc. Comme ça, elle est plus puissante. Tant sur dans des forêts, sur des montagnes. Tant sur des plaines plates. Voilà, sur des terrains plats. Allez, ouais. Ouais. Allez, tour suivant. Je commence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des mitrailleuses portugaises. Ah. Va falloir que je modernise mon armée, moi, c'est urgent. Ouais, pareil. Enfin, d'ailleurs, je suis déjà en marche. Mais... Enfin, en marche. Mais moi, je suis en train de recréer un réseau de caravanes, du coup, pour essayer enfin de gagner de l'argent. Parce qu'il faut savoir que je peux aller 30 heures par tour, mais avec 0 caravane. Ouais. Maintenant, j'en gagne 27 avec 4 caravanes. J'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs. Ça prend un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais, ça coûte vraiment cher, les voies ferrées. Nom d'une pipe. Ouais, ça coûte vraiment cher, ouais. Du coup, là, j'ai un zoo qui va arriver, mais j'ai plusieurs villes qui vont monter également. Donc, l'effet du zoo va être nul. Je vais rester à 9 de malheur. Ah, ça, c'est con. Et un peu, ouais. Attends, c'est quoi? Cette caravane. Je suis dans cette caravane. C'est ça. Et nous partons. Allez, viens. Non, copyright. Merde, copyright, j'avais oublié. Allez, viens. Tadam. C'est pas ça? J'avais oublié, il y a les copyrights, on va se faire niquer là. Tadam. Non, il y a la mue. Tu vas te faire choper là, on va se prendre 10 mois de prison, fais gaffe. Mais non, je sens que les players connaîtront jamais l'original. Bah si, on n'en sait rien, le robot est tellement perfectionné que. Tu vas te faire niquer là-dessus. Mais t'as pas encore passé ton tour, toi? Ben non, attends, on vient à peine de le passer, t'es débile ou quoi? Mais non, attends, j'ai fini mon tour depuis longtemps. Bah attends, et oh, j'étais. Oh, j'étais en train de me dépatouiller avec mes délégués, hein. Tu m'excuses. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas. Tu m'excuses, très cher ami. Oh, tu fais des usines, toi, pour. Ah, je peux faire des sous-marins pour aller titiller les. Pour aller titiller les. Moi, si j'étais toi, je ferais des sous-marins parce que les Japonais, là, je trouve qu'ils ont pas mal de bateaux. Ouais, une mais une unité d'artillerie, attends, pas vraiment problème chez toi, quoi. Ouais, mais juste avant, je vais faire un hôpital. Oh. Le mec, il fait un hôpital, quoi. Quoi, ça le sert le mec a le culot de faire un hôpital, quoi. Non, mais sérieux. Mm-hmm. Sérieux. Mm-hmm. Non, mais sérieux. Ah, peut-être en faisant un chantier naval, je pourrais. Non. Parce que moi, je veux savoir comment on fait pour faire des plateformes pétrolières. Ça, c'est la grande question. Oh, il faut la réfrigération. C'est pas faux! Attends, t'es sûr? Oui. Réfrigération. Attends, c'est où ça? Mais on l'a? Qu'est-ce que tu racontes? On l'a? Attends, non. Mais bien sûr que si, réfrigération, on l'a. Ah, oui, mais alors comment on fait construire? Bah, je pense qu'il faut des bateaux ateliers, hein. Oui, c'est juste qu'il n'y a pas le symbole. Je vais faire un bateau atelier. Ouais, essaye, ouais. Comme ça, tu serviras de cobaye. Ça me prend qu'un tour. Plus, tu remarqueras que moi, de mon côté, les villes elles poussent comme des champignons. Comme t'as ça. Inverness qui a poussé, t'as Limerick qui a poussé. Ah, vas-y, attends, montre-moi. Ouais, donc Inverness est juste ici, ouais. Sympa. Tu as une Limerick autre... qui a poussé. Limerick, ouais. Pas d'Inverness. Ah oui, en dessous de Truro. D'accord, ouais. Et au niveau de ta ligne du roi Salomon, j'ai Swansea. Ah ouais. Eh, hey, on en commence. Ouais, c'est pas mal là. Mais par contre, tu m'étonnes que t'aies autant de malheur aussi si tu fais 40 000. Le mec s'étonne quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais je passe le tour. Ah, quand même. Il était temps, hein. Je passe le tour. J'ai passé le tour. J'attends que le tour passe. Ouais, pareil. Nous attendons que le tour passe. Et je suis déjà à 600 de science. Hein. Tous les tours, je gagne un max de science, je ne sais pas pourquoi. Ah bah oui, c'est parce que je gagne des citoyens. Évidemment, ah oui. Je suis con. Moi. Ah bah voilà, je suis déjà passé à 620 sciences. Alors, nous ne fournissons plus de chevaux au Jap. Ah bah ok, bah cool, je m'en fous. Donc, promulguer, idéologie, mondial, ordre, résolution, promulguer. Ok, génial. Ces effets sont désormais actifs. Ok. Je sais pas quoi ça sert, mais... Oh, j'ai un archer à côté. Bannière ressources de luxe. Ok, bon, bah a été promulgué aussi. Ah ouais, ils ont été forts là. Je sais même pas comment ils font pour promulguer des trucs alors qu'on a. Bon, bref, c'est pas grave. Tout le monde a voté oui en bref. Hein. Non, même pas, j'ai regardé. Enfin. Il y a pas beaucoup de votes étonnamment en fait, c'est ça qui est étrange. Du coup, est-ce que c'est relié ici? Ouais.
Tac, je vais mettre de la voie ferrée. Ça coûte vraiment cher. Alors, bateau atelier. Oui, je peux faire une plateforme pétrolière avec le bateau atelier. C'est une très bonne nouvelle. Attends, est-ce qu'il l'a faite? Ouais, c'est bon. J'ai 16 de pétrole, l'ami. Hein. Ici, je vais pouvoir faire du taille. Ici, j'encercle. Tac. Ouais, super, nouvelle unité de des marines. Toi, qu'est-ce que tu me... Qu'est-ce que tu fous, toi? Vous remarquerez que je pousse l'exploration vraiment très très loin. C'est quelque chose qui est voulu, hein, les gens. Je vais aller avec Suo. Voilà, ça me fait beaucoup d'argent. Je vais commercer. Même si j'aime pas trop les gnaques. Non, je déconne, je vais pas les appeler comme ça, c'est méchant. Tellement réaliste. Mais non, fallait pas confirmer, voyons. À moi, tu sais, hein, voilà quoi. Non, je rigole, je rigole, je rigole, ce sont mes amis. J'ai absolument rien contre les mangeurs de riz, mais... Oh, le Neuschwanstein n'a pas été construit, je peux le faire. Ah plus ouais. Plus 3 d'or, plus 2 de culture, plus 1 de bonheur. Ouais, je le fais en 10 tours, allez hop. Enfin, je peux utiliser mon ingénieur illustre, mais... Est-ce que ça vaut le coup? Et utilise ton ingénieur illustre, un conseil. Ouais, tu vois, en fait, je sens qu'il veut me niquer sur la bombe atomique. Bah, comme ça, c'est moi qui le fais, je garde le mien pour ça. Allez, parce que je suis gentil, mais je sais pas si ça va nous porter préjudice à nous deux au final. Je sais pas. Bref, de toute façon, je peux pas le faire pendant ce tour-ci, donc ça règle la question pour l'instant. Et une musique de au violon, là, qui est sympa. Elle est sympa, tant mieux si elle est sympa. Sympa, écoute. Elle est sympa, écoute, elle est très sympa. Hein. Alors, à Rotterdam, qu'est-ce que je peux faire? Un opéra? Ouais, bon... J'ai pas des avions très sophistiqués, je peux faire des porte-avions, des cuirassés ou des sous-marins, mais bon, je vous ai dit, hein, de ce côté-là, ça sert à rien. Ah, il y a des archers barbares au nord j'ai de Ramsey. J'ai vu. Va falloir aller les déloger, là. C'est pas bon, tout ça. Ça pue. Ça schmoute. Alors. Je ne sais absolument pas. Bah, allez, hop, je construis un hôtel. Ah non, attendez, je peux faire des... je suis stupide. Je vais faire des infanteries 6 tours. Oh, allez, hôtel, hop. C'est bon, je vais faire hôtel. À Breda, qu'est-ce qu'on peut construire à Breda? Eh bien, écoutez, à Breda, on va mettre un stade, il me semble, en 12. Allez, c'est l'occasion de faire un stade. En bas, là, c'est le stade, c'est la coupe du monde, en plus. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. C'est exact. Bon, eh bien, à Maastricht, je vais essayer d'aller... ça met combien de temps? Putain, ta ville à Amsterdam, t'as 38 citoyens, quoi. Eh ouais, bientôt 40. Hein. Eh ben, tu t'en souviens quand on avait fait une partie juste non filmée à deux où je jouais les Allemands Ouais. Oui, où je jouais les Allemands. Oui, les Allemands, oui. Tu jouais les Égyptiens. Un truc comme ça. Oui, tu jouais les Égyptiens et tu avais plus de 40. Ouais, tu me défonçais en démographie. Ah, mais dis-toi bien qu'en population, moi je suis 3ème avec 30 000, t'es 1er avec 43 millions quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, en récolte, je pouille tout le monde. 43 millions? Déjà? Ouais, t'as 43 millions d'habitants, ouais. Il y a 10 minutes, j'étais là. Ouais, j'ai passé 40 millions, les gars. En récolte, je suis premier, par contre, avec 530. En soldat, je suis bon dernier. Mais en fait, tu sers à rien. Mais tu sers à rien? Attends, je rigole, je rigole. Mais t'inquiète pas, ça va bientôt s'améliorer. Bah, j'espère, hein, d'y intérêt, hein, parce que vu le chèque que je te donne, hein, tous les mois, là. Le chèque? Quel chèque? Voilà, très. Attends, il vient tout juste signer un partenariat avec je sais pas trop quoi. Ouais, ah oui, bah oui, bah tiens, bah j'en reparlerai, mais dans une autre vidéo, j'ai changé de partenaire. Mais bref, on s'en fout, c'est pas. Enfin, ça change rien. Le mec, il se palpe quasiment 400 euros par mois à se branler la noix. Et il vient me dire à moi qui suis là gratuitement avec mes 260 abonnés tout mouillés. n'importe qui, quoi. Sur deux ans, m'ont rapporté 12 malheureux dollars. Mais oh là là, n'importe quoi. Ah non, c'est vrai en plus, hein. 12 dollars sur deux. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire qui était faux. Bon, tu passes le tour, Jean-Guy. Ouais, non, mais je me fais pas 400 boules, hein. Non, non. Ça, c'est. Excusez-moi, je suis en dessous de la réalité. Ah bah oui, largement. Hein. Si seulement c'était ça. Non, mais je déconne. De toute façon, on s'en fout. Comme tout le monde le sait, on ne fait pas ça pour l'argent, voyons. Si seulement c'était ça, offrait YouTube notre métier. Non, même. Non, ça c'est sûr, par contre, je ferai pas de YouTube une profession, c'est hors de question. Oh, vous avez entendu ça, les gens, sans déconner. Non, il mais se moque attends. De vous, ce mec, venez sur ma chaîne. Mais jamais de la vie, attends, oh, c'est une passion, c'est pas un métier pour moi. Ouais, tu sais, faire des vidéos, tout ça, il y en a beaucoup pour qui c'est un métier. Hein. Oui, non, mais je suis totalement d'accord, mais moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai déjà un métier, un projet, un gros projet, mais pas absolument pas sur. Enfin, voilà quoi, c'est pas du tout.
ta mon spécialité. projet. Non, mais c'est pas mon projet, quoi. Ça reste un hobby. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. C'est que c'est un hobby. Voilà. C'est un hobby. C'est un hobby. D'ailleurs, je vous réserve plein de choses pendant les vacances. Bah, on vous réserve plein de choses, hein. Oui, à ce qui paraît, On oui, pourrait un peu lancer une partout. autre série, hein, pourquoi pas, un truc en multijoueur sur un RPG. Enfin, je me suis dit comme ça un soir, j'ai envie de faire un RPG à deux là. Ouais, en multi à deux. Ça te dirait? Je Il veut faire pensais. du MMORPG. Non. Mais il Ouh. pensait à Wildstar. Pas du tout, non. Mais Ah, oui, ça ouf. pourrait être une bonne idée. Ah, mais Parce que non, j'ai des moi, truc coupons payant, 7 non. jours. Non, mais j'ai un coupon 7 jours que je peux donner à ceux que je veux. Donc les gens, nous aurons 7 jours de vidéo en la présence de la nuit, puis après c'est terminé. Non, mais je pensais à RPG, un jeu, enfin un jeu quoi, pas en ligne. Un jeu à multijoueur, mais pas en ligne. Je pensais Oh, pourquoi pourquoi pas, pas ouais. Dark Souls 1, mais bon, c'est vrai que c'est vu et revu, mais moi je l'ai pas fait, j'ai envie d'y jouer en fait. Je l'ai pas fait non plus, j'ai pas envie d'y jouer avec le nom, me donne envie de gerber. Mais t'es fou toi, c'est génial ce jeu. Ça c'est fait, C'est. suivant. Non, mais arrête, c'est génial ce jeu. Oh. C'est comme si moi je te proposais Nostal, excuse-moi, mais. De quoi? Je Ah connais même non, pas, moi. mais je t'ai dit pas un jeu en ligne, espèce de con. Oh. Ah, pourquoi pas un jeu en ligne? Mais parce que. Non, pas un jeu Tu en veux faire ligne. du RPG, on se prend Halo en ligne et puis terminé, hein. Allô? Ah bah oui. Qu'est-ce que tu racontes? Allô, non, c'est un FPS, Halo. Excuse-moi, je confonds un peu Mais tout. t'es stupide! Un peu. Et Assassin's Creed, on Non, peut mais pas le moi je faire t'ai en dit, ligne? je voulais RPG. Bah, si t'as Assassin's Creed 2, ouais, pourquoi pas en ligne? Non, mais c'est. Non, mais non, il est même pas en ligne, Assassin's Creed 2. C'est que à partir de. Putain, mais tu m'embrouilles! Tu m'embrouilles! Ah, sans déconner, on dirait trop un vieux couple, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais. Mais. Bref, on en reparlera après! On en parlera hors caméra, ouais. Ça sera mieux. Voilà. Bon. Ah, Bon, d'ailleurs. Oh, bah faisons tiens, attends, je voulais parler tout d'un autre quand tu truc veux, aussi. hein. Je voulais parler d'un autre truc aussi. Vu que c'était pendant ma semaine de révision lundi dernier, je sais pas si t'as suivi le 3, je me suis fait toutes les conférences avec donc les intervenants de jeuxvideo.com. Là, je me. Tu sais, ça a commencé à je sais plus quelle heure. C'était assez tôt, il me semble. C'était de 19h, une connerie comme ça, 18h30, je crois, jusqu'à 5h du mat. Je suis resté jusqu'au bout. Je me suis fait toutes les conférences et je peux te dire que Sony, la conférence Sony, elle a duré 2 heures, elle était chiante, mais c'était horrible. Mais bref, c'est vrai qu'il y a des En trucs. bref, les gens, n'achetez pas la PS, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, non, mais je veux dire, y a des trucs sympas qui sont annoncés, mais bon. Rien à. Mais t'as vu le Voilà. jeu là de Xbox sur Xbox là, le gros foutoir? C'est-à-dire, lequel? Il y en a plein des jeux donc. Là où c'est que j'ai regardé vite fait une vidéo de Cyprien dessus, ça, apparemment ça va être un gros foutoir quoi. C'est un D'accord. mélange entre Jet Set Radio Futur et un Jet FPS quoi. Set Radio Futur. Tu veux dire le mec qui est dans une ville avec des types un peu zombies et qui glisse très Voilà, coloré? ouais c'est Ah celui-là ouais. ouais. Bon, franchement, ça me donne absolument pas envie. Enfin, c'est pas du tout mon. J'avais adoré à l'époque de la Xbox première version Jet Set Radio Futur. Je ne sais Il était absolument excellent pas. ce Je jeu. ne connais pas. Moi, je peux pas du tout. Ouais, mais t'es trop jeune à cette époque-là, t'es encore dans les couilles de ton père, qu'est-ce que tu veux faire? Cette violence, putain. J'adore. Cette violence, quoi. J'adore. Non, mais on essaie de soigner le vocabulaire, s'il te plaît. Ah bon? Oui. Ah. Hein? Ah oui, Bon. excusez-moi, c'est vrai que monsieur va avoir son bac. S'il te plaît, d'accord? Bon. Et sinon, il y avait des. Ouais, sur Xbox, il y a pas mal de choses intéressantes. Après, pour ce qui est Far Cry 3. Alors, 4, pardon. Le seul truc qui m'intéresse dans le jeu, c'est le personnage vraiment. Il me fait vra... Enfin, le méchant. Il me fait vraiment kiffer. Et surtout le lieu dans la montagne. Alors, ça, je trouve ça génial. Je sais pas pourquoi, mais au moins ça change. Et en plus, ils ont fait un truc vraiment. Niveau... Enfin, voilà, c'est agréable à regarder de ce que j'ai vu. T'es plus là? Si, je D'accord. t'écoute. Le mec il s'en fout en fait. Complètement. Le Ça mec il. s'entend tant que ça? Le mec il. Non mais il s'en fout. Non mais. De toute façon. Bon bref. C'est pas que je m'en fous, c'est que. Franchement, l'E3, c'est très bien, c'est très beau, ça sent bon. Ça présente des jeux qui sortiront la plupart du temps dans 1, 2, voire 3 ans. Attends. C'est très bien, moi je veux du concret, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah on a eu du gameplay, attends. Oh. Du GP, mais à part ça. Ah oui, il y a GTA 5 qui sort sur PC, ça je vais me le prendre. Par contre, si tu l'achètes, on pourra s'en faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah? Allô?
Oh! Le correct que vous demandez n'est plus en ligne. Merci de le recontacter ultérieurement. Ah, le salaud. Non, mais sans deck. Non? Ok. Mais non, j'aime pas les GTA. Sérieux? Oh! Oui, sérieux. Mais sérieux, attends, mais tout le monde aime GTA, attends, oh. Mais tu sors d'où? Je vais refaire ton éducation, ça va pas, là. Non, mais même bon. Si t'es pas un grand fan, moi non plus, j'ai jamais été un gros joueur de GTA, et pourtant, j'aime bien ça, quoi. Surtout le 5, il a l'air d'être... Voilà, ben... Ok, bon, c'est, j'ai compris, je peux aller me faire foutre. Allez. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon. Alors, mais toi, je vais encore attendre avant de faire cette vilaine parce que j'ai trop de malheur là pour l'instant. Du coup, c'est pas gagné pour faire un jeu à deux en multi. Bref. Bon. Si, on peut très bien se faire un petit jeu à deux en multi. Moi, je veux faire encore un... quoi, on va ouais, trouver, mais voilà, j'aimerais bien un truc avec une histoire. Voilà, un truc pas bac à sable à la civilisation. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Un truc vraiment où il y a une histoire. Et je suis à deux de malheur. Fable. Fable, il existe un multijoueur? Non. Enfin, oui, mais pas celui que j'ai. Oh. Sachant qu'il y a que ben, le 2 et que sur Xbox. Si tu gagnes plus d'argent avec ton partenariat, tu vas pouvoir l'acheter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais même, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Le mec, sans déconner, quoi. J'ai pas envie de. Le tout. Franchement, il m'attire pas vraiment. Là. Le 3. Bon, tu passes le tour, Jean-Guy. Oui, pardon. Attends, du coup, ça, je. Sur une... Ouais, bref, on fout. Allez, hop, on passe le tour. Bon, par contre, c'est le dernier tour. Ok. Bah, on en passe encore un et après on arrête. Ok, ok, ok. On fait comme voilà. Ça. Voilà, comme ça, moi, ça me fera une heure de vidéo et puis voilà. Tout à fait. Hein. Où c'est que les gens vont enfin pouvoir percevoir mon royaume. Bah, voilà, tout le monde s'équipe de la bombe. Mon empire. Tout le monde s'équipe de la bombe atomique et j'ai fait le Neuschwanstein. Bon, ça me fait un peu d'or, un peu de bonheur. Bon, ça m'a même pas remis dans le bonheur, ouais, je suis dégoûté. Mais bref, c'est oh là, pas. Oula, oh qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec la Pacal là? Il a des unités qui se baladent à côté de mes frontières, j'aime pas trop ça. Allez, artillerie, je balance. Du coup, on se prépare, bah, je continue mes préparatifs pour la guerre. Hein. Je... Ah, bah, moi, la guerre, franchement, quand je l'aurai déclaré, je vais être très très mal parce que. Ah, moi, je masse tout devant les Japs, là, ils vont prendre cher, hein. Vraiment. Faut juste qu'on attende, on attend juste au moins d'avoir une bombe bleue. Oh, j'ai de l'aluminium. Ah, pas mal. Comment ça, t'as de l'aluminium? J'ai réussi à trouver, à choper, je vais choper oui. L'aluminium. Ah oui, pardon, j'ai confondu avec l'uranium. Autant. Y'a rien ici, y'a rien du tout ici. Rien... Ouais, tu vas retourner à Edimbourg, mon ami, parce que... Je pensais pouvoir faire quelque chose la ici. La qualité non, de conversation finalement. Est bien à chier ce soir, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Complet, je sais pas pourquoi, mais ouais. Et je suis presque à 200 d'or par tour, là c'est bien, ça finance mes... Oh, j'ai découvert Tenochtitlan. Bien. C'est bien ça. Je me suis chié. Hop. Un colisée ça serait bien, mais ça prend trop de temps quoi, un colisée. On va commencer par faire un grenier, tout ça, classique. Petit bétail. Ça se développe là, je suis content là. C'est bien ça. Ouais mais moi j'ai trop de malheur quoi, il faut que j'arrive à trouver un appart, quelque chose. Ouais, faudrait. Et dans un tour... La puissance atomique. Enfin, la voie de la puissance atomique nous est grande ouverte. Enfin, oh, j'ai découvert Kuala Lumpur. Ah, bien, c'est Kuala Lumpur, c'est une cité-état. Regarde dans le nuage à putain, droite. C'est la seule. Des Mayas. Attends, où ça? C'est la seule. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu prends Chichen Itza, la ville de Pacal. Tout à fait. Et tu vas vers la droite. Oh, mais le mec, il est en plein milieu en fait. Oui, parce que guerre contre lui, donc du coup on sait où est sa cité. Mais en fait, je te parie que toutes les cités-états sont au milieu, sur des mini-îlots, sur des archipels à la con. Et en fait, c'est pour ça qu'on en a pas. Ah mais c'est possible. Bah c'est la possible. Preuve, regarde, Kuala Lumpur, le truc il est en plein milieu, tu sais pas pourquoi. Ouais, parce que j'ai fait la paix avec en guerre, donc bon, je suis d'autant faire la paix. D'accord. Bon bah écoute, on passe le tour. Faire un acte totalement désintéressé. C'est vrai, ouais. Je regarde un petit peu étendu mon empire. Mais du coup, en fait, là, on a passé un épisode en mode développement de l'infini. Mais dès les prochains, là, c'est juste petit épisode. Voilà, on reprend, je reprends les vidéos, machin et tout. Et voilà, comme j'ai dit, on va se faire des grosses sessions là. Et on va essayer de terminer d'un seul coup là. En quelques jours, avec. Vous allez voir, ça va être épique. Ça va être épique. Ouais, ça va être épique, épique. Moi, ouais. Je suis content, j'ai enfin trouvé l'aluminium. Ah bah moi toujours pas, mais bon ça c'est pas trop un souci, tu pourras m'en fournir.
J'espère avoir de l'uranium, yeah. En revanche. Bien, il n'y a pas de souci, mon cher Lantouplé. Je vais pouvoir en effet te fournir de l'aluminium. À 100 or par tour l'unité, ça ne me posera absolument aucun problème. Quel enfoiré. Wouah, j'ai plein de notifications. Bon, et on a trouvé la théorie atomique. Bon, on fera tout ça une prochaine fois. Du coup, on va se laisser là parce que ça fait 50 minutes, c'est la wack. Donc, on espère. Si on a découvert la théorie atomique, il serait peut-être temps de faire directement. Ok, ça a bugué. J'ai de l'uranium, mon ami. J'ai de l'uranium. Ok, attends, je vais vérifier moi si j'en ai. Oh putain, c'est tellement grand. Oh là là, pour s'opérer. Moi, je suis sûr d'en avoir. Du coup, tu veux pas passer le tour au prochain tour? Le temps de poser les ouvriers dessus directement, sinon j'ai pas y pensé. Putain, je suis deg, j'en ai même pas quoi. Oh, je suis deg. Pas. J'en ai pas. Non, vous êtes sérieux? J'en ai pas. Il n'en a pas. Il n'en a point. Ah, j'en ai pas. Hein. Non, mais je te jure, j'en ai vraiment pas. Je suis en train de regarder un petit peu ta carte pour voir ce qu'il peut y en avoir. Non, il y en a pas. Je me suis fait ni. Oh, si, il y en a juste là. Mais évidemment. C'est à deux cases de Arnhem. Ah ouais. Il y en a que deux, putain, je me fais enfler en fait. Tu peux pas les acheter les cases? Attends, je vais voir toi, fais voir où t'en as. Ouais, t'as 4. T'as 4. J'ai 2 fois 4, j'ai 8. Oh le sac. Putain, je me fais vraiment couiller. Bon, bah ce sera toi qui sera vraiment la grosse puissance nucléaire. Moi je me battrai au super méca de la mort qui tue. Et c'est où que... Merde, comment on fait pour... Attends. Merde, comment on fait? Ah oui, c'est là. Oh, je suis vraiment idiot. Ouais, alors, attends. Comment on fait? Ouais, acheter les cases. Ouais, 30. Ah non, je suis deck, je peux pas. Ah merde, je peux pas. Il me manque une case, moi. Bon, je peux pas accélérer le projet Manhattan. Fais voir. Ça sera au prochain tour. C'est quoi? C'est où? C'est comment? Ouais, c'est pas grave. Bon, allez, on s'arrête là, hein. Ouais, on s'arrête là, on passe au tour au moins, du coup. Non, j'ai rien fait, moi, on s'arrête là. Oh, moi j'ai fait plein de trucs. On s'arrête là. Non, mais vous avez vu les gens, ce vieux sac, sans déconner. Moi, je fais un million de trucs, quoi. Et lui, il veut pas passer le tour. Attends, ça fait quasiment une heure qu'on joue, Jean-Guy, hein. Demain, je te signale que j'ai le bac, ok? Hein, on est sérieux. Non, je déconne, c'est à 14h. T'as un truc d'allemand à. C'est à 14h. C'est à 14h, du coup. Non, tu veux passer le tour. Non, je vais arrêter. J'arrête maintenant. Non, mais j'ai décidé. Voilà, je suis le maître, j'ai raison, tu as tort, tu es plus petit, tu te tais. Pardon? Oui. Oui, monsieur. Redis ça pour voir, là. Oui, monsieur. Allez, on va se laisser maintenant. Tu veux quoi? Tu veux que je l'aborde? Égal, c'est ça? Parce que tu le dis, ça peut tout à fait se faire, hein. Oui, ça, c'est possible. Tu sais, c'est 3 heures de train chez moi, hein. 3 heures de combien? De quoi? De train. Ah, autant? N'importe quoi, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais oui, de train. Autant, oui. Ah, pardon, de train. C'est vrai que tu n'as pas découvert le TGV dans ta région. Oh, excuse-moi, mais si, on l'a découvert, hein, au départ de Toulouse, Bordeaux, voilà, quoi. T'es où exactement, toi? Tu m'avais dit. À côté de Toulouse, je suis. C'était pas Albi, non? Tu m'as pas dit ça? Si, c'est ça. Ah, bah voilà. C'est pas loin. Ah, là, il y a. Oh, si, c'est loin, mais... Learn to play prend des cours de géographie. Ah, comme ça, tu aimes la saucisse. J'aime rentrer ma saucisse dans ton cassoulet. Ça c'était une jolie métaphore absolument dégueulasse. Bon allez hop. Je te remercie. En tout cas j'espère que vous avez... J'aurais pu préciser choucroute hein, c'était alsacien. Oh là là, chut, silence, n'aggrave pas ton cas. Mon cas est tellement aggravé déjà que je ne suis plus sauvage. Bon en fait t'es déjà fiché, t'es déjà dans le collimateur de tous les services secrets qui existent sur cette planète. Tout à fait. T'es déjà mort en fait. Mais non, tu ne le sais mais pas pourquoi encore. Pourquoi la unité d'archer s'est transformée en... Bon bref là putain. En infanterie là. On s'en fout. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Lâchez un petit j'aime, un petit commentaire. Puis nous, on vous revoit pour la prochaine vidéo. Et puis sur la chaîne, sur nos deux chaînes respectives, allez voir bien sûr la chaîne de Yalamu et la mienne. Oui, c'est un petit peu stupide ce que je viens de dire, c'est pas grave. Allez hop, bonsoir. Et portez-vous bien, les gens. Donc, surtout, oui, n'oubliez pas d'aller voir le point de vue de Learn to Play. Là, je m'adresse à mes 2 ou 3 abonnés hein, par rapport à chez toi. Donc, très prochainement, donc une série multijoueur, tous les deux sur Learn to Play. Il veut du RPG. Moi, je vous dis, ça va aller sur Minecraft, cette histoire. Non, jamais de la vie, non.
Bon, ben, jamais de vie sur Minecraft, donc vous ne le verrez jamais sur Minecraft. Dans tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Ouais. Lâchez vos commentaires, lâchez vos pouces verts, lâchez-vous directement, lâchez les pouces rouges également, on s'en fout. De toute façon, sachez bien que Learn to Play touche 7,77$ par pouce vert sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à lui en laisser plein. Et pour ma part, ben, je vous dis à très bientôt. Oui, au moins, tu sais. Allez, portez-vous bien, les amis. Et puis bonne chance aussi pour ceux qui passent l'espagnol et l'allemand aussi demain. Ah bah de toute façon je suis con, ça va. Bah si, ça va sortir demain soir, logiquement. Ah oui, non mais moi ça sortira la semaine prochaine. Allez, bye soir. Allez, ciao les gens. Ciao.